Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paper Mario. Aujourd'hui, nous allons dans le fort Cobalt. Tu vas récupérer la grande étoile de puissance. Bref, j'espère que tu vas bien. Ça va. Enfin, l'hiver approche, les voies sont enrouées maintenant. C'est l'heure des... Non, comme du masque, à partir de ces vidéos-là, ça va être les vidéos où la voie, elle va de moins en moins être utile. Ça te rappelle pas un certain jour. Alors je vais parler en chuchotant. Non, je rigole. Ce fort et cette odeur si douce, pas d'erreur possible, la grande étoile bleue est ici. Regarde ce carton. Pour être jouer sur Nishnik. Oh, Mario. Ah, comment tu as fait pour me trouver dans ce carton? Je suis pratiquement invisible. Ah, je vois, je vois. On nous a informé que l'ennemi était en train de développer une arme secrète au fort Cobalt. Nous avons décidé d'infiltrer la place nous-mêmes. Mais nous nous sommes peut-être surestimés. Mais maintenant que tu es là, tout va bien. Je te laisse t'occuper de tout. Toi, numéro 19 de l'équipe de sauvetage bleu, rapport. Chérie, mais vous grandissez à la vitesse... À la vitesse des champignons. Vous multipliez à la vitesse de champignons, oui, voilà. Hein. Comme des champignons, ils se multiplient plutôt, c'est mieux comme ça. Les orques sont surpliés comme... par barbouille. D'ailleurs, je me souviens pas qu'on nous ait dit d'aller chercher des toads bleus. Non, mais c'est pas grave. Je me souviens pas non plus, mais voilà, c'est bon. C'est fabuleux. Dans les toads bleus. Ouais, non, y a pas de toads bleus. Oh. Tu vas vraiment tous les tuer? Écoute, le but, c'est de pas me faire repérer. Alors oui. Si le but, c'est pas de te faire repérer, tu dois pas tuer les gens. Ah oui, c'est vrai. Oh, une nouvelle carte. Par contre, c'est chaud, là. Qu'est-ce qui est chaud? De voir si c'est des tâches ou si c'est pas des tâches. Mmh. On a vu, tu dois shooter dans un truc, je pense. Bah, il y a une barrière qui a l'air moins bien que les autres. Ah bah oui, ok, oui, carrément, oui. Au pire, c'est pas grave si j'y vais pas trop en mode pacifiste. T'inquiète pas, normalement tu tues tous, hein, y'a pas de problème. Ah non, bah lui non. Tu le tues pas. Mais du coup, il a un autre nom. Oh, un masquasse d'argent. Ah, ça donne envie de tous les battre, là. Ouf, c'est bon. Oh. Oh! Ne bronche pas! Je sens que je vais sauter dessus pour rien. Oh, quelle défense d'acier! Et comme Metal Mario. C'est bien comme gâchis de cartes. Hey, heureusement que c'était des cartes nulles! Tu vois! J'espère qu'il va pas s'enfuir. Ah, c'était magnifique. Et je voulais me garder et j'ai raté. Et qu'est-ce qui me fait mal? Bon, alors comment on bat de l'argent? Avec du feu. C'est ce que j'ai pensé. Sinon, je peux utiliser un saut en vrille, peut-être que si je le perce. Mais non, en fait, on peut seulement le battre avec une carte spécimen. Mince. Bah, ça marche pas. Incroyable! Mais quelle résistance! Bien joué! Mario, ce masque est fait de métal, il va nous donner du fil à retordre. Si tu as besoin de conseils pour le battre, utilise la touche. C'est vrai, on a ça? Ah non, ça ouvre un mode d'emploi. Mais non! Hey, c'est comme ça qu'on voit le gamepad! Oh, regardez! Une rare image du gamepad! Comment faire pour blesser les ennemis très résistants? Je vois, ils sont brillants et très robustes, c'est ça? Eh bien, apparemment, ce n'est qu'une enveloppe extérieure. Il se pourrait donc bien qu'elle disparaisse si les attaques avec quelque chose de dur en métal, par exemple. Ah, ok. Oh, on a des trucs. On a des astuces qui sont cachées. Ah, du coup, en fait, c'est un mode d'emploi que tu débloques petit à petit. Ah non, j'ai appuyé et ça s'est découvert. Ils aiment le café, les toads? Certains oui, d'autres non. Chacun ses goûts et ses couleurs. Les toads sont loin d'être identiques en tout. Ah, tu vois, ils nous le disent quand même. Hein. Même s'ils se ressemblent tous dans ce jeu, ce ne sont pas les mêmes. On trouve même des toads courageux, c'est dire. Oh, et moi, bien sûr que j'aime ça, du moment qu'on me l'offre. Moi, j'aime pas le café, hein. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le toad. Bon, alors du coup, ils disent d'utiliser un marteau de métal. Ou un seau en métal. Ou un seau en métal. Mais t'as pas de seau en métal. J'ai des seaux en fer, ça compte ou pas? Moi, je pense. J'espère que ça va fonctionner. Oh, oh.
puis là, il est mort, bah oui, bien sûr. Ce n'était pas si compliqué. Oh, vous auriez pu me donner la carte du masque d'argent. Si, il en a une. On fait attention, visiblement, eux, tu ne les tues pas. Ah. Mais zut. Ah mais oui, je vois pas pourquoi je crains de pas les battre. En fait, c'est un peu des monstres du début du jeu. Maintenant, je suis fort. Il y a une tâche derrière. D'accord. Je pensais que tu l'avais vu. Non mais pas derrière. Non mais j'ai vu, mais je mais sais pas. C'est un sacré détour que tu oui, nous... Oui, je sais. Non mais tu échappes aux caméras de surveillance, on a qu'à dire. Merci. Il y a une tâche là. Heureusement, tu l'as vu, bravo. Yay. Oh, mais oui, c'est la réunion alerte. Le fort a été infiltré par l'ennemi. Mais zut, ils m'ont repéré. Ah bah oui, bah il fallait pas être dans une fond de la caméra de surveillance, Mario. Il faut bon, certainement utiliser une tactique de camouflage retorse. Alors fouiller le fort au fond qu'on bombe 5 cm. Bah oui, chef, le fond qu'on bombe 5 cm. T'inquiète. Ils sont pas très doués, hein. Bon, écoute, hein. Tu fasses quoi, un coup de marteau? Bah l'autre il est tombé là, voilà, Mario est tellement lourd que du coup ça a fait séisme quand il atterrit et... Oh. Ah oui d'accord, ça. J'avais pas vu ça comme ça. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Ah Mario! Est-ce qu'il y a les gars, vous avez trouvé quelque chose? Oh. Écoutez-moi, tout le monde dit que Mario est un héros et alors, il est tout seul et nous on est plein. Comme là, on s'en ping, gong, gong, gong. Moi je vois la tâche en dessous de vous et c'est surtout ça que je veux affronter. Enfin, repeindre, bien sûr. Ah oh, bah vous êtes pas doué. Bon, je crois pas que donner des coups de... Comment ça s'appelle? Des coups de marteau, ça sert à rien. Non, oui. Des boules de feu. Ouais, je pense pas non plus, il faut vraiment sauter. Faut. Bon bah tu utiliseras... Je voulais vraiment une boule de feu. Utilise ta boule de feu. Bah... Marc, on a jamais essayé les boules de feu. Peut-être que ça peut faire quelque chose de cool. Bon. Let's go. Oui non, d'accord, ça les tue un par un. C'est trop nul. Ah, je me doutais de quelque chose comme cela. Bah bravo, il est même pas parti du coup, j'ai l'impression. Mais pourquoi je rate le dernier? Oh, ils font mal! Ils sont lents! Trop tôt! Faut vraiment appuyer au dernier moment. Ah non, il faut appuyer deux fois? Non, non, t'inquiète, même si Mario il... Ah si, faut faire plusieurs coups. Eh, hey, je commence à être mal en point! Un petit champignon rien que pour Mario! Excellent! Oh, j'ai pas réussi à faire un excellent. Il en reste plus que deux. Oui, enfin, il faut se garder au bout d'un moment. J'aurais peut-être dû faire une roulette de combat, mais... Tant pis. Bon, ça suffit. Tu rien pour moi. Mon équipe décimée, tu aurais pu en épargner au moins un. Bah tu es encore là, toi. Dire que mes pines masquées n'ont pas pu lui faire face. Tu es aussi fort qu'on raconte, Mario. Tiens. Ah, ça veut dire que les queues de Tanuki, ça fait peut-être des dégâts, beaucoup de dégâts, pour les masques à s'empiler. Ah, ça y est. Du coup, c'est bien toute l'encre. Au final, elle te sert à rien parce qu'elle est remontée. Puis là, il nous donne plus que 10 maintenant. Gros radin. Regarde, je fais de la peinture et puis je voulais pas récupérer le bleu maintenant, mais... Tant pis, je suppose. Il y a encore une tâche à gauche. Mais il y a quelque chose là. Ok, d'accord. Moi, je pensais que tu l'avais pas vu. Visiblement, c'est vraiment l'objet du donjon, hein. D'accord et... T'en auras besoin face au boss. Ça. T'en auras besoin face au boss, ok? Oh. Regarde-moi ce Todd lâche. Mais arrête! Tu veux pas que j'essaie d'être furtif?
Oh Mario, désolé de mettre emporté. Toad numéro 2 de l'équipage de sauvetage bleu, au rapport. Sans nouvelles du capitaine, les ordres sont de se replier au QG de Port Barbouille. En route. Du coup, c'est pas une tâche qui est juste à ta gauche. Si, si. Trop bien. Wow, il y a plein d'argent dedans. Oh, tu peux aller là-bas? Je peux aller là-bas. Très bien. Alors, est-ce que tu vas tenter de participer à un nouveau mini-jeu? Ce serait bien. Mais je voulais pas bleu, justement! Toujours le bleu. Oh là là! Mais dans bleu, il y a des Goopix. Oh! C'est pour gagner des cartes. Plus c'est un spécimen d'os. Fabuleux. Écoute, champinette, elle est cool. Moi, je veux bien. Fabuleux. Bon, alors. Oh, bien joué. Tu n'es même pas tombé sur le mauvais. Poupi. Mais je me plaignais que j'avais pas assez de cartes. Donc, ça tombe bien. Mais bon, un jour, il faudra bien découvrir les autres mini-jeux. Ça serait bien. Non, visiblement, on a besoin de vie. Moi, je veux bien prendre cette carte. Et trop tard. Mais je peux retourner en arrière. Oh, il y a un Toad qui est triste. Je pense qu'il y a 20 Toads bleus dans cet endroit. Qu'est-ce que tu voulais? Retourne à droite, là, du coup. Parce que là, tu vois, la caisse, elle est grise. Et du coup, cette caisse-là, elle est censée être de couleur aussi. Tu parles de ça? Ouais. Je pense. Oh. Bon, bah voilà, c'est bon. J'ai eu ma réponse, merci. C'est bien gris, hein. Et les autres caisses, les autres crises. Oui, si, ce sont des caisses grises, c'est bon. Ah, oh, on dirait vraiment que je peux arracher le papier. Mario, aide-nous, s'il te plaît. Je suis très malchanceux. Tu vois, c'est pas notre clôture. Je sais que l'un d'eux est le maillon faible. Mais j'arrive jamais à trouver le bon. Alors aide-moi, toi, t'es un gars chanceux. Après tout, montre-moi ce que c'est d'avoir de la chance. Et là, Quoi, est-ce que ces panneaux sont différents? Je vois pas en quoi ils sont différents, en effet. Ah. Et il y en aura plusieurs? Ah mince! Qu'est-ce qu'il y a? Cette ombre m'intrigue, elle m'intrigue tellement que ça me demande... Ça me démange d'activer le piège. Mais je sais pas, ça se trouve c'est... Voilà, ouais, ça fait mal quand même. Mario, tu as été sonné pendant un instant, ça va? Bien sûr. Ah, oui. Bah oui, ok. Fabuleux, la bassine, le meilleur objet du jeu. C'est pour aller avec notre légume. Un truc rond en métal très lourd, qui calme comme il faut quand on le reçoit sur la tête. Ah, oh, dommage. Oh mince! Oh! Mario, on dirait que les panneaux de clôture changent de place à chaque fois que tu les frappes. Il faudrait pouvoir les marquer de façon à pouvoir les reconnaître. Oh, je vois. Bon, il faut que tu... Ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on leur fait de beau? Bon, on verra. Déjà, je ne connais pas ces ennemis, alors. Quand je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Mais non, mais je veux dire dans ce jeu... Oh, bah ils ont plus beaucoup de vie. Bon, bah il y en a un qui est mort. Fantastique! Fabuleux! Mario le. Hein? Oh. J'ai même pas pu appuyer sur A! Eh oui, bah il a esquivé l'attaque. Bon, ça va, vous faites pas de dégâts en fait. Du coup, c'était bien de leur envoyer des fleurs de glace, tu vois, puisque visiblement, si tu fais pas ça, ils esquivent. Bouclé Ninji! On dirait qu'ils portent une salopette comme Mario. Oh, le pauvre machin! Après, il n'y a plus rien à exploser. Bon, normalement, je veux pas tous vous affronter. Je voulais juste les ninji. Et zut! Vous ne m'avez pas vu, ninji! Ah, cool, il y a un cœur. Et puis... Ah! J'ai paniqué. Oh, je vois, en fait, ils m'avaient tous attaqué.
Alors moi, je veux bien noter celui qui est pas bon, mais... Mais comment je sais? Du coup, il faut recommencer du début. Ah bah oui, mais maintenant tu les as cassés, alors du coup ça se voit. Je vois. Ah bah ça va, ils te redonnent le cœur à chaque fois, ils sont sympas. Bon, je vais le prendre. Mais pas tous quand même. Mais attends, et quoi? Alors une chance sur deux. T'y crois à ta chance, t'y crois à ta chance. Alors, crois-tu en ta chance aujourd'hui? Ah, quel chanceux! Tu es assuré, Mario! Je me sens plus chanceux rien qu'à te regarder! Ton numéro 18 de l'équipe de sauvetage Bleu Rapport! Son nom du capitaine, les ordres sont au repli au port voir, oui. Ah, ok, effectivement. Tu l'as jamais rencontré. Oh, une tasse! Est-ce que j'aurais dû le rencontrer avant d'arriver ici? Bah non, on a fait tous les niveaux. Donc, peut-être qu'il fallait retourner quelque part. Oh, déjà? Et hop! Ça aussi, c'est à peindre, oui. Mais non! En plus, c'est des cartes bien! Bon, sauvegardons. Ouais, t'as peur de mourir face à une armée de Sangoomba? Écoute, j'arrête pas d'avoir les game over obligatoires, donc oui. Ah, mais t'étais pas obligé de mourir hein, si t'avais pas foncé dedans! Regarde-le, lui là-bas, il te regarde! Tu veux pas aller lui dire bonjour? Bon. Je veux pas récupérer 3 sommités. Oh, regarde, il mange le gâteau. Monsieur Magma Burger, il t'attend bien dans mon jeep ici. Cette chaise parle. C'est tellement épicé que j'ai dit derrière mon griffe. Non, mais tout. Non, mais sérieux, ce jeu, il est terrible. Manger un Magma Burger, c'est comme caresser un gâteau avec ses poils. Hey Mario, bienvenue au Café Barbou et filiale du Fort Cobalt. Notre spécialité, le Magma Burger, est si épicé qu'elle te fera pousser du poil de dragadon au menton. Notre spécialité, Magma Burger, est prise au prix imbattable de 200 pièces. Le Magma Burger est vendu en lot avec un autre Exendo sur une période de métier. Tiens, voici ton lot de Taga Poit-Poit. Oh. Dis donc, petit chanceux, tu viens d'acheter le dernier lot de Tagada Poit-Poit. Tu veux commander autre chose? Attends, il faut vraiment acheter ces trucs-là, en fait? Bah, moi, je l'ai acheté parce qu'il avait une étoile, mais visiblement... Ah, il avait pas les étoiles, l'autre? Je me souviens pas qu'il y ait d'autres avec des étoiles. J'ai eu regarde, la spécialité du jour, tu peux pas l'acheter! La spécialité du jour, t'es sûr? Fais comme s'il n'y a rien été, ouvre bien tes oreilles. Ce café, c'est juste une couverture, tu comprends? En réalité, je suis un espion d'élite trompueuse, mission super, vraiment super difficile. Je l'avoue exclusif sur une carte qui serait efficace contre la nouvelle arme développée par l'ennemi. Emporte ça avec toi, ça pourrait être utile, crois-moi. D'accord, merci. Oh bah dis donc. Puis wow. Regarde Mario, il est jeté. Comme mon truc c'est espionnage, j'ai vraiment de nouvelles infos à repasse pour voir si t'as du souci, ok. Bah écoute. Merci, j'espère te revoir bientôt. Je veux bien récupérer tout ça, mais. Oh là là. Dans ce jeu, il y a toujours plein de cartes partout. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiétais du farm au début du jeu. Ouais. Oh, tu peux l'ouvrir. Une pièce. Un tote bleu. Oh Mario, le gérant m'a offert un café pour m'encourager pour mon travail, j'ai l'impression qu'il sympathise avec, pour avec notre cause. Oh, et sinon notre mot de passe est espion, non c'est pas ça, hein, j'en sais pas, j'ai oublié. Non, c'est le mot de la vie de tous les jours quoi, de la vie de tous les jours de l'espion je précise. Allez, je rentre chez moi. Allez hop, une carte encore pour te faire non plaisir. Mais c'est bon, hein, tant pis. Non je veux voir le reste du café quand même. Je suis pas le plus entraîné, sinon quand je pose, il faut vraiment savoir l'équipement de travail. Il y en a encore un qui est mort. Dans les pauses, il faut faire attention de ne pas laisser parler de choses confidentielles. On ne sait jamais, les murs ont des oreilles. Les mamans de Barber sont censés évoquer le volcan Vermillon. Même pas manger, j'étais juste assis en face. Et toi, tu rigoles! Toi aussi. Non mais moi j'ai jamais... Jamais j'ai rigolé. Ok. Oh, ils font la course. Oh! Je vois pas qu'on est en train de s'entraîner, bouge de là. Hein? Ah, il veut te tuer, tu vois, genre... Ah oui, je suis le coach. Allez. Oh, dommage. Ah mince, ils sont si nuls que ça, c'est vrai. Ouais, je savais pas que les Skiffits étaient si nuls que ça, je t'avouerai. Oh, j'ai gâché un marteau. Comme ah bon, ok, d'accord, tu... Ok. Vous vous entraînez pas très dur, hein. Parce que je vous ai tué en un coup de marteau. Toi, t'avais un truc, mais...
Boum, atterrissage parfait. Tout cet exercice m'a aidé à améliorer mon sens de l'équilibre. Mate-moi ça, je suis tout musclé. J'espère que je vais pas me déchirer un muscle. Quand on est en papier, c'est fatal. Allez, attaque-moi si tu oses. Non, je vois pas qu'on est en train de s'entraîner, bouge du nain. C'est le genre de spectacle pour lequel les places au premier round ne s'arrachent pas. C'était pas prévu, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Ah, il rigole plus maintenant, tu vois. Je suis content d'avoir des ailes. Les autres, ouais, ils vont mourir en boule de feu. Voilà, lui, il meurt pas trop fort. Bon, l'autre, il est mort, du coup. C'est le chef. Ah non, il est pas mort, du coup. Mais Mario... Mais pourquoi? Aïe. Oh non! Oh non! C'est terrible, 24 de dégâts. Oh, je me suis senti très désynchronisé quand j'ai voulu utiliser les... des sauts. Enfin, voilà. Et voilà le travail. Bien joué, bien joué. Vous auriez dû me donner des cartes. Ah. Il y en a encore un? Ah oui. Oh! T'as pas l'air d'apprécier le ton, hein. Oh. Mario, ça tire un petit peu plus haut qu'il y a avec moi. Les peinturions. Il triche. Moi, j'abandonne. On a ça du numéro 6 de l'équipe de sauvetage, je jouerai pas. Son nouvel capitaine de l'équipe oublié au bord de Olivier. Oh, c'était l'entraînement du siècle. Ça faisait un bail que je m'étais pas remué la peinture comme ça. Et du coup, je peux lui parler ou il va me dire qu'il est occupé? Donc, tu vois pas qu'on est en train de s'entraîner? Ah, d'accord. Ah, lui, il le dit pas. Hein. Ok, je vais derrière. Et voilà. Il est bête, le Todd, parce qu'il continue alors que c'est fini. Oh, wow, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Oh, Mario. Cet entraînement est vraiment dur. Je vais me froisser, hein, fessier. J'espère qu'il va partir en continuant de faire des... du squat. Oui, ah, je suis contente. Ah, ok. Et il y avait des casiers, tu les as pas fouillés. C'est vrai, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans les casiers? Une carte. Une autre carte. Oh, la costume de grenouille. Ah, ton préféré. Oh. Un passage secret. Un Todd déprimé. Tous les jours du matin au soir, on s'entraîne. Tout le monde faisait des progrès sauf moi. Alors j'ai décidé de filer en douce. Mais pas moyen de sortir d'ici. Un petit coup de marteau et c'est réglé. Tous les jours, blablabla. Quoi? Mais j'ai juré avoir essayé ce truc. Bon, ça veut sûrement dire que je manque encore de biscotto. Merci Mario. J'allais dire, il me dit pas... 21! Je pensais qu'il serait 20! Eh non, 21! En fait, ils vont jusqu'à 25. Du coup, là, c'est le début, d'accord. Donc, c'est pour faire un raccourci. Oh, pas mal, pas mal. Je vois. C'est bien. Oh là là, c'est difficile d'entrer dans le tuyau. Je comprends le Todd qui avait du mal. D'un côté, j'ai fait plein de choses, alors... Je me demande si je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ouais, je pense. Après avoir mangé un bon magma burger... Je pense que tu peux. Eh bien voilà, merci à... Oh, tu devrais pas rester. J'ai eu peur. Oh là là. Bon, il faut faire attention aux mascasses qui mangent des magma burgers. Et... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut.